Hey, salut tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de mon let's play, donc pour l'épisode 8 ou 9, je sais plus. Donc on va continuer directement la suite, avec cette fois-ci où j'en étais en voiture, à Madagascar. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on cherche ici? La carte nous indique toutes les structures présentes autour du volcan. Quelques avant-postes abandonnés, et quelques tours de guet aussi. Des tours de guet? Avery était l'un des hommes les plus recherchés au monde à l'époque. Alors s'il se cachait quelque part ici, il avait besoin de voir au loin. Et l'une de ces tours se situe pile sur le volcan. Avec le trésor d'Avery. Croisons les doigts. Je vois des ruines là-haut. Non mais déjà, rien que pour dire, c'est attendez une... là, je vais aller voir. C'est d'une beauté, sans déconner, mais c'est ouf. Est-ce que tu voyages toujours autant que dans le temps? Ouais, j'essaye. En tout cas, c'est mon mieux pour rester le plus... Merde. Peut-être par ici. Ouais, c'est bon. Franchement, c'est d'une beauté, mais c'est un truc de ouf. D'accord. Ah, ça c'est sûr, mais je préfère parler aux clients les yeux dans les yeux. Pour mieux pas grand chose à voir ici. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, mais c'est ouf. Non, rien d'intéressant. Allez, on reste pas là. Ok, oh là 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 là. Ah, là, je prends une de ces claques visuelles, mais il n'y a pas à dire, c'est avec une tuerie ce truc. Aïe 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 aïe, rien que ce qu'elle a, je fais ça. Hein. Tu peux me croire, c'est la première chose que j'ai vérifiée quand on a commencé à parler d'un volcan. Ça et. Ok. Un 4x4 pas trop cher. Attends, c'est okay, t'es okay. En train de me dire que tu t'es renseigné sur le sujet. Je peux pas te laisser jouer. Attendez, je vais juste faire un truc, je laisse. D'accord. Voilà, je prends une petite. Une petite fond d'écran pour ces trucs-là, désolé. Qui fait ces cairns? Ça doit servir à indiquer le chemin. Essayons de les suivre. Ok, oula, oula, doucement. Par ici, peut-être... hop. Y'a quoi ici? Regardez un peu ça. Une grotte secrète cachée derrière une cascade. Messieurs, c'est une véritable aventure de pirate. Qu'est-ce que tu racontes? Ok. Alors, Victor, comment ça se fait que tu connaisses si bien la baie du roi? Eh ben, la première fois. Pour échanger un diamant volé, d'accord. Ça a mal tourné, je me suis fait arrêter, j'ai dû passer la table pour toucher le pot. Et là encore, évidemment. Et tout en essayant de fixer le montant du pot de vin, on s'est découvert des. Merde. Venir lui rendre visite assez régulièrement. Ok. Mais tu te rends compte, on pourrait peut-être s'éparpiller. Ah, un mot. Parfait, on va garder ça là-dedans. C'est quoi ça? Ouais, c'est juste... Oh, une arme! Ouais, si c'est juste pour un trésor, c'est pour lui, hein? Ça fait pas mal d'années qu'on s'est pas revu. C'est peut-être le moment d'aller la voir. Ah, d'accord. Mais d'abord, finissons-en avec ça. Ok, on va faire le petit saut, là. Allez! Wouhou! Arrêtez. Faire ça. C'est la première fois depuis des années que je prends deux douches le même jour. Ils sont cons, putain. Ok, y'a rien par ici. Alors, c'est sûrement là-bas au bout. Bah, ça. C'est. Oh là là là. Ah, y'a un pont là. Est-ce qu'il faut que j'aille prendre le pont? Encore un. Alors, pont, attends. Tout ce qu'il y a de plus fragile. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Oula, attends, ça glisse allez, là. Allez, vas-y. Avance, 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 avance. Allez, cocotte! C'est pas de la gadoue qui va t'arrêter, hein? Allez, petit, faites ton mieux pour pas nous faire tomber. Et tu veux pas aller plus doucement? Et puis reste au milieu, s'il te plaît. Bon, ça va, je crois que je peux me passer de vos commandes. Ah ouh! Tout va bien. Putain de dieu! Truc de ouf, comment ça. Ça démonte, quoi. Allez, les gars, en avant. Allez, avance-moi seul. Accrochez-vous les gars. Et il faut que tu retrouves de l'adhérence. Ah ici il y a de l'adhérence. Attends, on va passer par là. Ok, je crois que ça commence à rentrer. Et voilà. Ok, par ici c'est mieux. Oula, ça glisse. Oula, c'est une vraie patinoire ce truc. Oh de Dieu, mes vertèbres.
On va se laver un peu les roues, t'as vu? Hop, voilà. Ah, par ici. Je vois, il y a des trucs de roues, là. Là, des traces de pneus. Quelqu'un est passé par là. What? Ok, alors, s'il y a quelqu'un qui est passé par là, déjà... Avec le type de la location. Ton frère voulait absolument que le 4x4 qu'on louait soit équipé d'un treuil. Donc, si je comprends bien, t'as tout mis dans le treuil, mais rien dans les suspensions. C'est super important. Quand on fait du tout-terrain, il peut pleuvoir, il peut y avoir de la boue. Du coup, je parie qu'on va traverser ce foutoir. Oh, merde. What? Ça m'a fait flipper. Attends, on va faire ça. Ok, par ici... C'est un vrai tout-terrain, ce truc, hein. Ouais. Oh, il se passe quoi, là? C'est cet arbre de merde qui me gêne, là? Sérieux? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Les célèbres ont réuni leurs trésors et sont venus se terrer ici pour... Bah, pourquoi exactement? J'en sais rien. Pour se protéger, peut-être. Pour pas tomber sous les griffes du gouvernement britannique. Bien sûr. Si ça se trouve, il les aidait à disparaître. C'était quand même un grand artiste dans le domaine de la dissimulation. Ok, oula, attention. Tes vertèbres. Ouais, je crois pas que je puisse monter là, non? Et c'est parti. Non, ça passera pas. Non. Oh, c'est et non. Voyons cette tour de plus près. Je t'accompagne. Elle est en très bon état pour une tour qui a des centaines d'années. Ouais, ce sont bel et bien des ruines de l'ère d'Avry. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, oh, c'est quoi ça? Sam, regarde. C'est le sceau de Christopher Condant, capitaine du Fiery Dragon. Il était en opération à Madagascar en même temps qu'Avry. Alors peut-être qu'Avry recrutait des capitaines pirates, mais dans quel but? En faire des guetteurs? Ça n'a aucun sens. Non, vraiment aucun. Ou peut-être que chaque capitaine était responsable d'une tour et devait fournir les hommes nécessaires. Quoi qu'il en soit, c'est certainement pas la dernière étape de notre périple. Mais c'est clair. Oh, un trésor. Ah d'accord, il y a un arbre. Oh, doucement, doucement mon coco. Voilà. Ok, j'ai compris. Tiens, l'écorce a été arrachée. Quelque chose était enroulé autour de cet arbre. Je pense qu'il faut que j'attache ce truc pour me faire monter ma voiture. On va tester ça. Alors, attendez. Et tu sais que notre voiture est équipée d'un treuil? Non, vraiment? Pourquoi tu me l'as pas dit? Qu'es-tu content faire? Non, je suis pas sûr. Ok, on va entourer ça. Voilà. Ça devrait suffire. Je glisse! Ah bah non. Ça va, tu t'amuses bien? Plus raide qu'on le croit. Alors, ouais. Vas-y, essaie. On y va. Doucement. Doucement. Wow, doucement. C'est bien parce qu'au moins ça suit la mécanique du câble. Ouais, c'est les... Un treuil, c'est indispensable. On a franchi une côte, il en faudra un peu plus pour le rentabiliser. Ouais, d'accord. Mais c'est déjà une petite victoire. Je me contenterai voilà. De les plus grandes. Bon déjà, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui passe par là aussi, hein. Et je me demande si c'est pas les autres enfoirés, ça. Admirez le paysage. Oh là là. Wow, c'est super. Imaginez. Oh. Vous êtes un pirate bien gardé. Vous arrivez là, très loin du gouvernement qui vous offrait. Ah, les pauvres petits pirates oppressés. Tout ce qu'ils voulaient, eux, c'était assassiner et qu'il y ait en paix. What? Non, pas du tout. Ce qu'ils voulaient, c'était vivre en homme libre. En tout cas, dans le genre endroit pour fuir la société, on aurait pu trouver largement pire. Oh, je voulais faire Geronimo, je laisse tomber. Vraiment interminable cette route jusqu'au volcan. Patience, Victor, patience. Tu sais comment ces pirates sont arrivés là? Ils sont partis d'Angleterre, ils ont navigué jusqu'au Brésil et ils ont traversé l'Atlantique jusqu'en Afrique du Sud. On va laver ma voiture. Ils ont fait tout ça en s'aidant de quelques cartons de papier et du positionnement des étoiles. Hey. T'essaies d'apprendre à naviguer à un ancien de la Navy.
Ce que je veux dire, c'est qu'on est arrivé là assez facilement. Tu trouves ? Par là. C'est quand même beaucoup trop long. Voilà. Cette superbe... Oh merde, stop, ouh, c'est quoi ça ? J'en étais sûr, il y a des grosses putes qui sont là. Comment ils ont fait pour venir ? Qu'est-ce que tu vois ? Des militaires qui transportent des trucs. Des hommes de Nadine ? On dirait bien. Bon, t'enfoiré. Merde. Ouais. On dirait que c'est un vieil avant-poste de colonie. Mais c'est pas le bon, c'est ça ? C'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est quoi ? Ils sont sur le chemin. Mais nos volcans passent par eux. Eh merde. Au moins, on a l'effet de surprise. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On leur démonte la gueule. Contentez-vous de me suivre. Oula, il y a un sniper. Allez, Geronimo ! Oh mec, je vous écrase tous les deux, là. Boum ! Putain de merde, leur pont, il est là. Il faut que je fasse le tour. Putain, dégage, toi. Vite, 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 vite. Allez, on se casse, on se casse. Oh, le bat. Ok, on va se cacher. Ah bah non, on va trop tard. Oh, les enfoirés. Ok, le pont, il est défoncé. Ok, bon, je vais me tenter autrement. Je vais tenter ça autrement. Si la bande de Drake se pointe, vous savez tous quoi faire. On va bien les accueillir. J'espère que c'est moi qui vais me les faire. Vu comment tu trembles, tu toucherais même pas un éléphant dans un couloir. Je les vois. Tiens. Boum. Ok, donne-moi ça, toi. Merde, voilà, donne-moi ça. On est là pour vous casser la gueule. Alors toi, le sniper, tu vas me casser les couilles. Putain de merde. Je prends des grosses balles. Voilà, c'est bon. Ah, je peux zoomer avec cette arme. Oh, une grenade. Tiens, mange. J'ai cru voir des ennemis par là, non? Ok, ok, vous êtes où? Vous êtes où? Toi, je t'ai vu, mon gars. Ok, je recharge. Hop là, je suis caché. Une grosse tête. Allez, montre-moi ta... Voilà, ta tête. Oh my god. Ouhou, j'ai eu le temps de sauter. Qu'est-ce que tu fais ton malin, toi, là-haut? Eh merde. Vite, vite, vite. On va monter ici. Tiens. Mais boum. Oh oui, un snipe. Ok, on va monter. Il y aura certainement plein de trucs à faire là-haut. Comment ils sont montés, eux ? Ici. Voilà. Ouh, tiens. Oh, merde. Attention, il y a les renforts qui arrivent. Boum ! Pleine tête. Boum ! Ouh, dégage. Boum ! Il y en avait encore un que j'ai oublié. Il était par ici. Allez là. Ok, ça c'est bon. Bon,
crois que c'est fait. Ah, mais en fait, il suffisait de monter en plus. Rafe et Nadine ont des dizaines d'hommes dans le coin. Il se pourrait qu'ils tombent sur le trésor sans même le faire exprès. Si on prend ce pont, on peut revenir sur la piste. Ouais, ouais. Attends, pour trouver le véhicule. Ouais, mais je sais bien qu'il est là, le véhicule. Ok, bon, bah, il demande d'aller chercher le véhicule. Alors, c'est ce que je vais faire. On court plus vite que ça, là. Ta pète. C'était quoi, ça? Non, c'est bon. Un kilomètre à pied, ça use. C'est quand tu veux, hein. Ah, oh putain, ils se téléportent, les mecs, quoi. Ok, donc... Reviens-moi pour me dire quand je peux ouvrir les yeux. Quoi? Ok, donc là, on va faire doucement, parce que... Oh merde! De Dieu, ces pirates doivent vraiment revoir leurs infrastructures. Comment on va sortir de là? Ah ok, j'ai compris. J'ai compris. Merde, quel con. Voilà. C'est ça. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tirer. Allez, vas-y, fais-moi tomber ça, là. Voilà. Le treuil est de retour, Sully. Plutôt pratique, tu trouves pas? J'avais rien contre le treuil. Je voulais juste éviter qu'on se fasse arnaquer. Ouais, c'est clair que le mine de rien, il est vachement utile. Nadine. Pourquoi ça? Je me disais que tu pourrais peut-être la contacter et essayer de la convaincre de rappeler ses hommes. Elle est bien bonne. Et si on lui promettait une plus grosse part que Rafe? Non, elle fonctionne pas comme ça. Elle est plutôt du genre à regarder. C'est Shoreline. On peut dire qu'ils font pas les choses à moitié, ceux-là. Et ils sont déjà beaucoup... Putain, y'en a des bagnoles. J'étais en train de me dire la même chose. Et s'ils avaient déjà trouvé le trésor? Ils sont toujours en train de passer l'endroit au peigne fin. S'ils l'avaient trouvé, ils seraient plus en train de chercher. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Eh, voilà. Vous allez voir ce vieux bâtiment? Eh Sam, sans vouloir être indiscret, qu'est-ce que tu faisais de ton temps en prison? Oh, bah tu sais... Je passais beaucoup de temps à lire. Il y avait un gardien, je crois qu'il devait avoir pitié de moi. Il sortait tout le temps des livres de la bibliothèque pour moi. Ah ouais, tu lisais quoi? Des livres d'histoire, surtout. Et en particulier ceux à propos d'Avry et des autres pirates. Juste au cas où, tu vois. Bien sûr. Et à part la lecture, je faisais de la muscu, je fumais, j'essayais d'éviter les bastons entre les gangs rivaux. Et je cogitais un max. C'est à peu près tout. Oh là là, mais c'est beau ce truc! À prendre service. Pourquoi? Regardez, c'est naturel ou artificiel ça? À mon avis, moitié-moitié. Regardez qui revoilà. Ouais, comme je l'avais dit. Si t'avais un gardien prêt à te rendre service, pourquoi tu t'en es pas servi pour nous contacter? J'ai bien essayé. Je lui avais demandé de poster. Encore ces idiots de Shoreline. Est-ce qu'il y aurait un petit truc à faire exploser que je gueule? Ok, il y en a pas. Boum! Raté. Toi t'es mort. Toi c'est pareil. Boum! Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Ok. On va aller chercher quelques munitions, grenades, oui. Il me reste combien de munitions de snipe? 6. Ok, d'accord. Hop, hop, grenade. Alors lui, il avait quoi quand même? Ouais, pas trop utile. Bon, on va se casser. Qu'est-ce que... D'accord, ouais, enfin, il n'y a pas grand-chose ici. Hein. Alors, du coup...
Vas-y, téléportation, les gars. C'est marrant, ce truc. Alors, du coup... Hop. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose par ici... non, c'est sûrement une embuscade. Waouh, c'est quoi ce truc là-bas? On dirait une belle ville. Oh merde. Ok, qu'est-ce qu'il y a par là? Wow. Bon, en fait, non, c'est rien, ça me ramène ici. Oh, oui. J'ai bien essayé. Je lui avais demandé de poster une lettre, la boîte postale. Mais je l'ai jamais reçue. Ça, c'est parce que le directeur l'a intercepté. Moi, je me suis sacrément fait secouer, et le gardien, je l'ai jamais revu. De Dieu. Et le directeur a voulu me prendre en donnant un nouveau colocataire, Alcazar. Mais ça s'est pas passé comme... Oh, le bâtard. Oula. On dirait que les gars de Sherlock... Ou c'est pas ici. Roule doucement. Ouais, ok. Ok, donc ils sont... Ah, il y a des ennemis ici. Super, tu l'as eu. Boum. C'est parti. Arrête de te cacher, toi. Oh le bâtard, il m'a tiré dessus, ça m'a dévié mon tir. Et merde. Reste pas là. Je prends super cher. Boum, pleine tête. Merde, attendez, je vais tirer sur celui qui est là-haut, là. Voilà. Voilà, là, je prends tempête. Je prends tempête. Ok, toi, tu vas crever. Ça, c'est fait. Ok, on va se rapprocher, du coup. On va changer juste à l'arme, parce que là, du coup, j'en ai une de bien. J'ai déjà eu affaire à Alcazar il y a quelques dizaines d'années. Avant même que je vous rencontre tous les deux. Sans déconner. Et comment ça se fait que tu sois encore en vie? En fait, c'était pas du tout le même homme qu'aujourd'hui. À l'époque, il était encore en pleine ascension dans le monde du jeu. J'ai vendu à son patron quelques xylographies que j'avais sorties en fraude du jeu. Sa spécialité, c'était pas où. Et Alcazar, c'était notre intermédiaire. Il était comment? Il avait l'air calme, mais en fait, il était susceptible. Il était du genre à exploser à la moindre provocation. De ce côté, il a pas vraiment changé. Bah, j'ai pris mon fric et j'ai pas demandé mon reste. C'est pas par là. Je vais quand même regarder à l'intérieur. Il y aura peut-être des indices. Je sens qu'on va se marrer. Je reviens tout de suite. Alors, je vais vérifier un truc. Bon, toi, tu me donnes ça déjà. Ok, bon. Bah, y'a rien du tout ici. Hein. Y'a rien du tout. Et y'a pas non plus de route, ni même de grotte. Non, pour l'instant, je ne vois rien. Alors, c'est pas du tout pareil ici, quoi. Bah, merde, alors. Voilà, j'ai fini. Alors, comme je le disais... Attends-moi que je te la raconte, monsieur Rabat-Joie. Oh bah vas-y. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un bateau de pirate sans butin? C'est un vaisseau sanguin. Un vaisseau sanguin. T'as compris? Il est con, ce mec. C'est comme ça, je te laisse ici. Ah, peut-être pas ici. Hé, hey, attention, petit. Ouh là là, c'est bon. Ah là, il y a la tour là-bas. C'est sûrement ça. Regardez ça, les gars. Qu'est-ce que c'est? Ok, donc ça, c'est quoi? Ah bah voilà. Cool. Qu'est-ce que c'est? Attendez deux petites secondes. Voilà, alors. Je vais aller regarder là-haut ce qui se passe. Non, par là, ouais. Incroyable.
On a sûrement une vue d'ensemble sur la baie du Roi, de là-haut. Ouais. Et regardez, là, c'est la ville. Et là, c'est la vallée de la rivière. Waouh. Ah, tiens, il y a un truc là-bas. Il y a encore une tour derrière le rocher. Tu vois des hommes de Shoreline ? Difficile à dire. Il y en a même encore une là-haut. Oh là 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 là, mais cette vue, les mecs, mais regardez-moi ça. Et contemplez-moi ce design de fou. Donc du coup... Hop. On descend petit à petit. Oh, t'as vu ce paysage ? Incroyable. Je m'attends toujours à me réveiller soit au trou, soit en cellule. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Ok les gars, on monte. Et on va continuer sur le passage. Oula, deux secondes, ça glisse. Wow, il y a du monde là, non? Y'a personne? Apparemment, on est les premiers à mettre les pieds ici. On a qu'à explorer un peu le coin avant de continuer. Un pont-levis, ça fait très Moyen-Âge. Ouais. En général, quand on installe un pont-levis, c'est qu'on veut empêcher les gens d'entrer. Ou alors, qu'on a quelque chose à protéger. Ok, donc, vu qu'il y a un pont-levis... Il va falloir que je trouve un moyen de le descendre. C'est forcément là-haut. Quoi, t'es où? Où est-ce que t'es, mec? Ah d'accord, t'es là-bas. Ouh, j'ai eu chaud, là, je me suis fait peur. Qu'est-ce que tu veux que je regarde? Ah, tiens, un autre symbole. On va prendre ça. Je dirais que Shoreline est passé par là. Et hop, je l'embarque. La tour est assez haute. Ok, tu montes là. Ok, ici. Attends, c'est plutôt là peut-être direct? Non, même pas. Détruits, on peut pas atteindre la manivelle du pont. Je vais aller voir s'il y a quelque chose là-haut. Ouais, sûrement quelque chose là-haut, je pense. Hé les gars, il y a une immense tour juste après le pont-levis. La plus grosse jusqu'à maintenant. C'est quoi ça? Ça, livraison spéciale. Oh merde. Tu parles d'une livraison spéciale qui lui consommait. Tout va bien. Tu te sens bien? Ouais. Tu vas y arriver? Ok, à tout de suite. Je vais rapprocher la voiture. Merde, attends. Du coup, il faut que j'enlève certainement un truc là-haut, j'en sais rien. Hop. Faut que je fasse quoi avec ça au juste? Ah, attends, non, j'ai rien dit, c'est ça. Ah, d'accord, il faut que je mette la caisse ici pour que je puisse monter et ensuite faire descendre le pont-levis. Ok, j'ai trouvé. Ok, voilà. Et voilà. Ok. Je m'occupe de tout. T'exagères, tu vois bien que c'est une seule manivelle, quand même. Tu fais du beau boulot, petit, continue. Quelle bande de carotteurs. Stop, stop, dégage, Charles, il arrive. Les gars, bloquez-vous. Oh merde. Comment je fais pour... Une voiture de location, sûrement à l'heure. Quadrillez le secteur, je l'ai retrouvé. Tirez sans sommation. Vous les voyez, vous les abattez. Ok. Allez, merde. Et je vous promets de faire ça rapidement. Géronimo. Voilà,
Oh. Ok, toi mon gars. T'inquiète, moi je vous baise. Oh, oh merde, un snipe. Ok, mon digueul, il est où? Ah! Boum! Attendez que je lui mette une grosse balle en pleine tête. C'est lui qui va sortir avant. Hop. Oh merde, il y en a d'autres. Ils sont où? Attends, mais là c'est carrément un wagon là. Oula, 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 je me prends des balles. Grenade! Grenade! J'ai fait un trophée. Ok, on se cache dans le camion, c'est très bien. Oula, doucement, 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 mec. Eh, hey, oh, oh, casse-toi tout un peu, toi. Dégage. Ah, il veut pas prendre mes balles, là. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Les nègres, faut y aller, d'autres hommes de Shoreline se pointent. Voilà. On la baisse, ce pont-levis. Voilà, bon, je baisse le pont-levis et on se termine ici dans cet épisode. Ok, donc là, hop. Voilà. Allez, est-ce que si je spamme plus vite, est-ce que ça marche mieux? Bon, ça change pas grand chose. Ah, voilà. Et voilà. Voilà. Un petit pont-levis tranquille. Oh, attendez une seconde, il y a des petites armes là. Hop, hop, hop. Le mec il fouille tout. Et voilà, dans la voiture les mecs. Bon bah voilà, du coup l'épisode se termine juste ici. On continuera donc à la suite, à la traversée du pont-levis, on va se mettre juste ici. Et on continuera donc pour la suite des épisodes. Je vous dis donc à la prochaine, dans le prochain épisode. A plus tout le monde.